Essayons tout d'abord le formatage d'un disque sous Windows 8 ou Windows 8.1. On va d'abord aller faire un petit tour du côté du disque local pour y voir les propriétés. Donc c'est le disque local qui contient Windows et qui est formaté en NTFS. Ici nous avons un disque qui s'appelait W3FAT. Nous allons voir les propriétés. Alors ce disque est formaté en FAT32. Alors je vais maintenant le formater en NTFS comme c'est le standard sous Windows 8. Donc je sélectionne le disque, un clic droit et formater. Ensuite je vais aller formater, je vais choisir la capacité, donc 465 Go, le type de système de fichier, donc c'est NTFS. Je vais prendre l'unité standard d'allocation 4096 et je vais donner un nom à ce disque, je vais l'appeler W3 et je clique ensuite sur démarrer. Alors attention, le formatage détruira toutes les données qui sont sur ce disque. Donc le formatage qui a été choisi, c'est un formatage rapide. Et effectivement, rapidement, le formatage est terminé. Maintenant, je vais aller voir les propriétés de ce disque. Sélection, un clic droit et propriétés. Et voilà, mon disque W3 a été formaté en NTFS. Il a une capacité de 465 gigaoctets. Dans cette deuxième partie, nous verrons le partitionnement d'un disque dur, le découpage en plusieurs partitions et le formatage de ces partitions. Allons voir maintenant le disque dur externe qui est à formater. Donc c'est le disque qui s'appelle iOmega 250. Donc, là j'ai deux disques, mon disque local et mon disque iOmega 250. Je vais aller voir ses propriétés. C'est un disque qui est formaté en NTFS d'une capacité de 232 gigaoctets. Alors maintenant, nous allons aller découper ce disque en partitions. Dans le panneau de configuration, on clique sur « Outils d'administration ». Ensuite, on va cliquer sur « Gestion de l'ordinateur ». Voilà, donc « Gestion de l'ordinateur ». Ensuite, « Stockage ». Voilà, « Stockage ». Et ensuite, « Gestion des disques ». Et voici donc les disques de notre système. On a le disque standard système C2. Et notre disque iOmega 250. Donc j'ai sélectionné le disque iOmega 250. On va aller. L'espace iOmega 250 est sélectionné. Un clic droit et formaté. Donc le système va formater le disque dur. Éventuellement, on peut lui changer de nom. Et voilà, le formatage est lancé. Et voici donc notre disque iOmega 250 qui a été formaté. Si nécessaire, on peut s'arrêter à cette opération de formatage. Mais là, maintenant, nous allons continuer nos travaux en partitionnant ce disque iOmega 250. Depuis le menu Action, on va choisir toutes les tâches et réduire le volume. Donc là, on va réduire le volume du disque iOmega 250 et on va choisir la quantité d'espace à réduire. Donc là, j'ai mis 124 000
124 000 mégaoctets, c'est-à-dire 121 gigaoctets qui ont été choisis. Voilà, donc mon disque est maintenant découpé en deux partitions. Alors je vais aller formater ma première partition et j'en profite pour lui changer de nom. Je vais l'appeler iOmega 250-1. Et voilà, ma première partition est formatée. Maintenant, dans la deuxième partie de partition, on va choisir nouveau volume. Et ensuite, on va utiliser l'outil de création d'un nouveau volume. On choisit la taille, on choisit la lettre, on choisit le système de formatage, là c'est NTFS, et là je vais aussi changer le nom, je vais l'appeler iOmega-2, et ensuite je clique sur terminer. Voilà, mon disque a été formaté, il fait 121,09 gigaoctets. Donc mon disque iOmega a été maintenant découpé en deux partitions. Je vais maintenant quitter l'outil de gestion de l'ordinateur et je vais aller voir mon disque dur qui a été découpé. Donc on voit bien, j'ai un disque iOmega 251 à 111 gigaoctets et iOmega 2, dans les propriétés, sont 121 gigaoctets et ce sont des disques NTFS. Merci pour votre attention et à bientôt.